Allez, c'est parti, séance 51, mercredi. Alors aujourd'hui, on fait un petit travail. Première partie sur de l'aérobie, plus du fractionné un petit peu. Vous allez dans l'échauffement des articulaires. En série, faire 10 minutes d'aérobie, donc un simple soit footing si vous voulez dehors, il n'y a pas de souci. Ou toujours la même chose, vélo rameur et tapis à l'intérieur. Pendant 10 minutes de l'aérobie simple, ok, juste travail de récup, travail de échauffement même. Et d'ailleurs, vous avez 5 minutes progressives toutes les minutes. C'est-à-dire que la première minute est normale, deuxième encore plus rapide, troisième encore plus rapide, quatrième encore plus rapide, et la cinquième encore plus rapide. Okay. Les 10 plus les 5 progressives sont à faire deux fois. 10 plus 5, 10 plus 5. Okay. Et on passe tout de suite à la série prophylactique des épaules. C'est parti sur la série pour les épaules, épaules du nageur, on va travailler la coiffe rotateur et les tics plate avec élastique. Donc vous avez trois séries, les deux premières sont avec élastique pour les épaules même, la troisième est en gainage actif. Ok, la première série, tirage coiffe rotateur externe si je ne me trompe pas, c'est là. Donc ici simplement, vous allez trouver un endroit où pouvoir accrocher votre élastique. Moi je fais ça ici, j'espère que ça va tenir. Ça fait pour, ok. Donc simplement ici, bien droit, je ne veux pas avoir de poignet cassé, ok, dans le prolongement de l'avant-bras. Et aller chercher avec le coude collé, aller chercher hop, sur l'extérieur ici. 15 d'un côté, 15 de l'autre, pas ce côté-là, mais de l'autre. Après, on va faire le tirage interne. Donc c'est pareil, sauf qu'on ramène hop, le bras vers l'intérieur. Vous voyez, c'est que l'épaule qui déverrouille ici. Ok, le coude ne bouge pas, l'avant-bras est toujours plat. 15 à l'intérieur, côté droit, 15 à l'intérieur, côté gauche. Et enfin, on va faire ici un travail de ficelle abdominale. Donc là, maintenant, il faut être debout. Hein. Bon, je vais mettre celui-ci sur les. Sous les genoux, pardon, là, simplement on travaille ici actif, 20 fois, bien vers l'arrière avec les coudes qui dépassent un peu les épaules, ou on travaille les fixateurs de vos pattes qui se trouvent juste ici, qui sont très importants pour vous, chers nageurs. Deuxième série d'élastiques, c'est les mêmes exercices, d'accord, tirage externe, tirage interne, tirage externe, tirage interne, sauf que cette fois-ci sont statodynamiques. Donc vous allez travailler ici 5 fois actif, là, 1, 2, 3, 4, 5, et au bout du 5e, vous tenez 5 secondes ici, ok, bien résister. Puis on repart, 5. Et 5 secondes, 5 fois, et 5 secondes. Okay. Pareil pour l'interne, pareil pour le bras. Toujours la même chose. Et enfin, les ficelles de notre place, on va faire la même chose. On va faire travail de x10 à l'arrière. 10 secondes à l'arrière. Et encore une fois, x10. Et 10 secondes à l'arrière. Okay. Tout est écrit dessus. C'est très simple, vous allez voir. Quand vous mettez dedans. Ça, c'est fait pour les deux premières séries en élastique. Troisième série, il y a 4 exercices en gainage actif. Le premier, c'est gainage bras tendu. Avec rotation des bras. Mince, je m'en peux plus. Si c'est bon, je me rappelle, pardon. Je peux continuer, c'est pas grave. Ça va être ok, alors rotation des bras ici. Simplement, on se met en gainage bras tendu. Et aller chercher dans tous les sens. Là, hop, rotation des bras. Le bassin ne bouge pas. Simplement, on va chercher dans tous les sens. Le travail d'épaule sollicitant. Dernier exercice, gainage bras tendu, rotation. Donc, c'est avec le bassin cette fois-ci. Donc, on va faire travailler ici simplement. Toujours gainage bras tendu. Hop, voilà. Vous voyez légèrement les épaules, vous allez voir, elles vont sentir. Sollicité sous le poids du gainage et du bassin qui fait avancer et en rotation dans tous les sens. Dans un exercice, c'est le même dans l'exercice, cette fois-ci c'est d'avant en arrière. On partira des chevilles pour faire avancer le corps vers l'avant, vous voyez, et vers l'arrière. Et ça vous verrez, ça travaille bien les épaules aussi. Enfin, dernier exercice, le gainage actif, tout à chaque fois est 40 secondes. Okay, cette fois-ci, le gainage actif c'est 20 montées. On est là ici, hop, 1. Voilà, légèrement sollicitant, plus en force pour les épaules. Voici pour le travail prophylactique de l'épaule nageur du jour. Bon courage à vous.